Alors, j'ai pensé étudier avec vous ce qui me préoccupe ces derniers temps. Et c'est la question de l'espérance. La question de l'espérance, c'est une question, alors, on va dire tikva. C'est le mot en hébreu pour dire l'espérance. Et la tikva, c'est l'espérance quand les choses ne vont pas comme il faut. Et qu'on est plein d'espoir, d'espérance que ça aille mieux. Alors, bon, c'est notre situation actuelle, nous, dans la famille. C'est notre question. Alors, je ne pouvais pas penser à autre chose. Et donc, je voulais aborder cette question avec un minimum d'intelligibilité. Qu'est-ce que c'est que la tikva? Qu'est-ce que c'est que l'espérance? Évidemment, ça nous rentre dans la sugya du bitachon et tout. Bon, bref. Alors évidemment que ce shiur le fait les refouach shlema de Imi Morati, ma mère, Rubi Badjamila, Kou, Shlachla, refouach shlema, parmi tous les malades du Klal Yisrael, notamment notre ami Dan Yehuda Ben Simi. Alors, je vais essayer de commencer par, peut-être par l'Odibra Torah et la Kenegadi Tarara. J'aime souvent regarder ce qui a été dit ailleurs dans la Torah, non pas parce que ça m'intéresse, pas en tant que tel, mais parce que ça, le contraste permet de préciser ce que la Torah veut vraiment nous dire. On vient de sortir de la milchama entre Israël et Yavan, entre la Chochma Yehudit et le Logos grec, et elle peut se dire de diverses façons. Qu'est-ce que, si on veut cristalliser la question de l'antagonisme de la Chorma d'Israël à celle du grec. Mais l'une des façons que l'on peut retenir, c'est sur la question de l'espérance. Parce qu'il faut savoir que si aujourd'hui, l'espoir, l'espérance fait fortune, quoi, c'est tout le monde espère, l'espoir maintenant, et l'espérance, c'est quelque chose qui est extrêmement en vogue dans notre. Ce qui n'est plus notre culture, mais enfin bref. Et chez les vrais Grecs, ce n'était pas comme ça. Chez les vrais Grecs, l'espérance, c'était le pire des maux. M-A-U-X. La pire des choses. La pire maladie de l'humanité, c'était l'espérance. L'espérance, c'était ce qui est le contraire du bonheur. On ne pouvait penser le bonheur que dans le désespoir. Enfin, le désespoir au sens de quelqu'un. Le désespoir, pas d'espoir, pas d'espérance. Alors, pour expliquer cela, parce que ça nous paraît un peu, ça nous paraît bizarre, c'est pas parce qu'on est plein de yadout que ça nous paraît bizarre, parce que ça paraît très bizarre à n'importe qui aujourd'hui. Alors, je voudrais d'abord expliquer cette position, ce qu'ils disent, et pour après aborder ce que la Torah nous dit de la Tikva. Alors, qu'est-ce que c'est que l'espérance? Je vais commencer par le plus simple, hein. On oublie pour l'instant. Le texte de la Torah, on essaye juste de décrire qu'est-ce que c'est que espérer, Alors, espérer, c'est toujours désirer. On espère que ce qu'on désire. On n'espère pas ce qu'on désire pas. Espérer, c'est toujours désirer. Mais c'est un désir qui porte sur quelque chose qui me manque. Si je suis en train de manger une glace et que je désire cela, ben, je l'espère pas puisque je le réalise ce désir. Donc, je goûte le bonheur, le plaisir de manger cette glace. Il n'y a pas d'espérance. Je ne peux espérer que parce que ce désir, c'est désir de quelque chose qui me manque. C'est pour ça qu'en règle générale, dans la conscience humaine, on associe l'espérance avec l'avenir. Parce que ce qui est le futur, je ne l'ai pas encore. Mais en fait, ce n'est pas vraiment exact parce qu'on peut tout à fait penser à une espérance de quelque chose du présent ou même du passé. Quand par exemple vous écrivez une lettre à un ami, vous dites j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. C'est-à-dire tu parles du présent. Tu espères sur quelque chose qui est présent. Donc tu n'espères pas sur un avenir. Tu espères quelque chose de présent. Tu peux aussi écrire à ton ami, tu lui dis j'espère que ton entretien d'embauche s'est bien passé. Il y a 2, 3 semaines. Voilà. Tu espères sur le présent ou sur le passé.
Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'espérance? Parce que, en fait, on parle de quelque chose dont la satisfaction, un désir qui n'est pas satisfait. En tout cas, je ne sais pas s'il est satisfait. Je ne sais pas si tu vas bien ou pas. Je ne sais pas si ton entretien s'est bien déroulé ou pas. Donc, je désire qu'il se soit bien déroulé, mais la satisfaction de ce désir, j'en sais rien. Donc, parler d'espérance, c'est parler de quelque chose qui me manque. Je n'ai pas le désir, je ne l'ai pas réalisé. La satisfaction, je ne l'ai pas. Je jouis pas. Je n'ai pas la jouissance de ce désir. Quand je mange une glace, j'ai la jouissance de ce désir. Je désire manger la glace et j'en jouis. Je mange la glace, je kiffe ma glace. Là, je n'en jouis pas. Et en plus de cela, je ne sais pas si c'est satisfait ou pas. Dernier élément que l'on retient, si on ne parle pas de la émouna, d'un homme qui n'est pas ma'amin, tu lui dis, je ne sais pas, on a rendez-vous demain, est-ce que tu vas bien venir demain? Il va te dire, oui, je viens demain. Il ne te dira pas, j'espère venir demain. Pourquoi il ne te dira pas, j'espère venir demain? Parce que ça dépend de lui. Je ne sais pas, si vous avez une bar mitzvah et que vous avez le chanteur de votre bar mitzvah qui doit animer la bar mitzvah, vous lui téléphonez la veille, vous lui dites, demain c'est la bar mitzvah, tu viens. Il te dit, Ken, j'espère venir. Ah ben, tu prends peur, tu dis, non, j'espère. Donc, j'espère. Mais tu vas venir. Il va te dire, je viens. Voilà. Pourquoi il ne va pas te dire, j'espère? Parce que ça dépend de lui. Et l'espérance, on pense que c'est toujours quelque chose qui ne dépend pas de moi. Alors, si on est ma'amine, on dira, j'espère venir demain. Pourquoi j'espère venir demain? Parce que, qui sait, même si je veux venir demain, peut-être je ne pourrais pas venir demain. Mais si on n'a pas la émouna, on pense, quand la question, est-ce que tu vas venir demain? J'entends une réponse, est-ce que tu veux venir demain? Donc, tu vois, j'entends pas, j'espère, j'entends, tu vas venir. Il devrait me répondre, je vais venir demain. Si vous avez quelqu'un qui doit passer un examen, et il dit, je veux réussir mon examen. On va lui dire, non, tu ne peux pas vouloir, tu peux espérer, parce qu'il y a plein de choses qui ne dépendent pas de toi. Donc, il ne suffit pas de vouloir pour réussir. Par contre, ça va dépendre, j'en sais rien, de plein de choses. Il ne faut pas que tu sois malade, il ne faut pas que tu tombes sur un sujet compliqué, il ne faut pas que le correcteur te prenne en grippe, il faut mille choses. Par contre, si tu dis, bon, alors d'accord, il faut que je travaille, j'espère travailler. On va dire, non, il ne faut pas dire, j'espère travailler. Je veux travailler, parce que travailler, ça dépend de toi, vous voyez? Donc, en réalité, si on prend toutes ces simples définitions, l'espérance, c'est un désir dont on ignore ou pas s'il est satisfait, première chose, on n'a pas la connaissance de la satisfaction, dont la satisfaction de ce désir ne dépend pas de moi et qui porte sur ce que je n'ai pas encore. Voilà, d'accord? C'est pour ça que le grec te dira, le désir, l'espérance, c'est un désir non satisfait qui relève d'une impuissance radicale. Tu désires dont tu ne jouis pas. Tu désires sans savoir. Tu désires sans pouvoir. Donc, tu es un homme faible. C'est une faiblesse. Le désir, l'espérance, c'est une forme de faiblesse de l'homme. C'est une passion et pas une vertu. Voilà. Et ça, c'est la grande critique que le grec apporte à l'espérance. C'est un principe de faiblesse. Parce que tu es dans le désir, mais tu es totalement impuissant face à ce désir. Totalement impuissant. Tu es impuissant parce que tu ne peux pas te satisfaire, tu n'en jouis pas, parce que tu n'as pas connaissance, tu n'as pas de pouvoir. Donc c'est l'impuissance de l'homme, première chose. Vous imaginez bien que pour un grec, Yavan, qui fonde l'autonomie de l'homme, la réalisation d'un homme sur son autonomie, sur sa puissance d'être ce qu'il est, ben, l'espérance est une catastrophe. Il y a un deuxième point qu'ils prennent en compte et ils nous disent que l'espérance te fait perdre le sens du présent. Parce que qu'est-ce que c'est qu'espérer? C'est aujourd'hui, je n'ai pas ce que je veux, donc aujourd'hui, je ne suis pas heureux. Demain, ça ira mieux. Oui, mais demain n'existe pas. Le futur, il n'est pas là. C'est exactement l'envers de la nostalgie. Dans la nostalgie, j'ai la nostalgie du passé. Ah, c'était bien là. Il y a 20 ans, c'était tellement bien. Oui, mais il y a 20 ans, tu n'es plus là-bas. C'est fini. Comme c'était bien quand j'étais jeune, mais tu es plus jeune. Tu as 50 ans, tu n'as plus 20 ans. C'est fini. Alors, vivre dans la nostalgie, c'est se condamner à ne pas vivre le présent. Vivre dans l'espérance, c'est se condamner à ne pas vivre le présent, puisqu'on vit soit dans le présent, dans le passé, soit dans le
dans le futur. Or ça, on le trouve chez Nova Lemoussa. On trouve aussi des formulations pareilles chez Nova Lemoussa. Quand les Lemoussa disent le avar eneno haatid adain. Le avar n'est plus, le haatid n'est pas encore. Il y a seul contre le hové. Ça, c'est quoi cette phrase que vous retrouvez chez, aussi bien chez les goïms que chez les Lemoussa, qui est une phrase vraie. C'est-à-dire qu'en fait, passé et futur, ce sont des néants, n'existent pas. Soit ils sont déjà passés, mais ils ne sont plus là, soit ils ne sont pas encore passés. Donc, la seule réalité, qu'est-ce qui est réel vraiment ? C'est le présent. Mais que, si tu passes ta vie à être nostalgique d'un passé déjà révolu, ou si tu passes ta vie à espérer des lendemains meilleurs, bah, tu te condamnes à ne pas vivre le présent. C'est la pire catastrophe. La pire catastrophe qui fait que l'homme, il ne vit pas l'instant. Or, on ne vit que l'instant. Ce n'est pas bête hein, comme critique. Ce n'est pas bête. Ni la première, ni la seconde. Il faut quand même qu'on réfléchisse. Et puis, dernier moment de la critique grecque de l'espérance, c'est que l'espérance crée de la crainte. Ça génère de la peur et de la crainte. Si j'espère quelque chose, ben, je vais craindre de ne pas l'avoir. Je vais, dans cet entretien d'embauche, j'espère beaucoup avoir ce poste, et ben, je vais craindre de ne pas l'avoir. Si par contre, je vais à l'entretien d'embauche et je ne veux pas être embauché, je m'en fiche complètement. Pour moi, oui ou non, ça s'équivaut, je m'en fiche. Ben, je veux pas, qu'est-ce que je vais craindre? Donc, plus tu espères et plus tu crains. L'espérance crée la crainte. Ben, c'est quand même beaucoup comme chose. Alors, qu'est-ce qu'il en est de pour nous? Il y a dans l'édition Otsrot HaRamchal un petit texte, un sefer du Ramchal qui s'appelle Mamar HaKivui. C'est un sefer très important qui a deux pages. Dans ces deux pages, il est mamie toute la yadout sur le kivui et il dit Bereshit, le début de la bria, le début de la création, c'est fondé sur la tilva, sur le kivui. Donc, non seulement la tikva n'est pas quelque chose de négatif, mais c'est même le fondement de toute existence. Et le Ramchal dit clairement que, voilà, c'est ça ce qui est au fondement de l'être, c'est la tikva des hommes, la tikva de la création en général. Et j'aimerais essayer de comprendre ce dont il s'agit, mais d'essayer de, voilà, de un peu de sens à cela. Alors, avant d'aborder cette question précise de l'espérance, j'aimerais juste revenir sur le cadre général, puisque la tikva fait partie de ce cadre très large que l'on appelle le bitachon. Il y a sur le bitachon, cette confiance que l'on a en Akadosh Baruch Hu, sur le bitachon, il y a deux problèmes. Avoir confiance en Hachem. Avoir confiance en Hachem, ce bitachon-là, qui, on le sait pour nous, est extrêmement important, le Gaon ira jusqu'à dire que le tachlit de la Torah, c'est le bitachon. Tout le tachlit de Torah au Massim Tovim, c'est le bitachon. C'est inimaginable, ce n'est pas juste un moyen, c'est la finalité ultime de toute la Avodat Hashem, Torah et Mitzvot, c'est le bitachon. Alors, cette question du bitachon, elle pose deux problèmes. Un problème et une clarification. Le problème suivant, le problème c'est que sur quoi est fondé le bitachon? Alors quelqu'un, il a un souci, il est boter bachem que ça ira bien. Ou même sans avoir un souci, il a un manque. Parce qu'en fait, notre bitachon, on l'exerce de deux façons. Soit il y a quelque chose qui ne va pas, mais il y a aussi des choses qui, de façon inhérente à notre existence, on est des êtres de manque, on est des êtres de besoin. Si vous voulez, l'exemple le plus simple, c'est la parnassa. Parnassa, ce n'est pas gagner sa vie, c'est manger, quoi, c'est se nourrir. On est des êtres de manque. On a besoin de se nourrir. On a besoin de choses extérieures à nous qui nous permettent de vivre. On a besoin de nourriture, on a besoin de maison, on a besoin d'habits, on a besoin de beaucoup de choses. Nous sommes des êtres de manque. Or, ce manque, il est inhérent à notre existence. Ce n'est pas qu'une fois, quelque part dans la vie, on va avoir un problème, on va avoir besoin d'acheter de quelque chose, non? Vous avez des cas extrêmes, la maladie. La maladie, c'est un cas extrême. Tout allait bien, tout d'un coup, on tombe malade, et là, on a besoin de la Yeshua d'Hachem. Ça, c'est un cas limite.
Pourquoi j'appelle ça un cas limite? Parce que ce n'est pas le commun, ce n'est pas l'ordinaire de, de notre vie. Mais dans l'ordinaire de notre vie, le principe de la Parnassa, c'est le principe qu'un homme est un être de manque. On ne peut pas vivre un jour sans tellement de choses qui sont essentielles à notre vie et qui ne dépendent pas de nous et qui sont extérieures à nous. Donc nous sommes des êtres de manque. Étant des êtres de manque, on doit nécessairement avoir un rapport. Comment est-ce qu'on va se déterminer par rapport à ce qui manque? Qu'est-ce que, alors, si je suis un des manques, je vais être dans la crainte permanente de ce qui manque ou pas? Normalement, en toute logique, je devrais être dans la crainte de ce qui manque. Alors, j'ai deux solutions. Soit je pense, par mes propres moyens, m'assurer ma subsistance. J'ai besoin de personne, je sais que je gère. Je gère. La personne gère, elle pense gérer et avoir besoin de personne d'autre, elle s'est autosuffisante. Bon, ça ne résiste pas à l'examen d'une vie où on sait bien que bon, ça ne dépend pas de nous et qu'on est très souvent impuissant face à des choses qui nous voilà, n'est pas capable. Ou bien on a ce qu'on appelle la solution de Bitachon Bachem. En fait, tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce que je m'agite là maintenant? Je m'agite à droite, je m'agite à gauche. Tout dépend de Ratzon Hashem. Comme nous savons qu'Akadosh Baruch Hu, il est Tov ou Métiv, parce que pour avoir un Bitachon, il ne suffit pas de savoir simplement que tout dépend d'Hashem. Il faut aussi savoir qu'il y a trois conditions. Qu'il connaît ce dont nous avons besoin, qu'il est capable de nous fournir ce dont nous avons besoin et qu'il a envie de le faire. Ah oui, c'est ces trois conditions. Vous avez quelqu'un de malade qui va consulter un médecin. Pour qu'il ait confiance dans ce médecin, il faut qu'il ait trois choses. Qu'il ait confiance dans le fait que ce médecin saura reconnaître sa maladie, qu'il sera capable de la soigner et qu'il voudra la soigner. Peut-être qu'il n'est pas capable de savoir ce qu'elle a, cette personne malade. Peut-être qu'il est capable de savoir, mais qu'il ne saura pas la traiter, ou peut-être qu'il s'en fiche complètement. Je ne vais pas perdre mon temps, des efforts pour toi. Avoir le bitachon dans Hachem, c'est bien évidemment cet émouna psychique que Hachem, c'est ce qu'il me manque, il est capable de me le donner et il désire le faire, évidemment. Donc, le bitachon vient de cet émouna que tout dépend d'Hachem. Mais le problème, c'est que si ça vient de cet émouna que tout dépend d'Hachem, ça contredit un principe essentiel de notre émouna, que tout dépend de nos actes. Tout dépend de nos actes. Hachem a créé l'homme, Betselem Elohim, on est créateur comme lui il est créateur. On génère notre vie. C'est nous. Je sais pas, il n'y a pas un. Je vais vous citer des exemples. Je pourrais presque vous dire, est-ce que vous avez trouvé un texte qui ne dit pas cela? Mais prenons le Nefesh HaChaim qui, au début du Shaar Aleph, nous dit bien que personne ne pense, Chas V'Shalom, que ce que je vais faire moi, un être. Insignifiant, donc si je suis un être insignifiant, qu'est-ce que ça va déjà faire et changer au monde si je fais quelque chose et si je le fais bien ou pas? Sache, dit-il, que chaque Yehudi, chaque personne, quelle que soit son importance a priori, ce qu'il fait, eh ben, elle implique des considérations et des implications énormes dans la mort des plus élionnotes et ça bouleverse le monde. Ça construit ou détruit le monde. Si on fait une mitzvah, ça construit le monde, si on le détruit, voilà. C'est comme ça. Hachem Tzilcha. Bien sûr que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu, évidemment. C'est nous, c'est lui qui décide tout. Mais la Shgara, la manière dont Akadosh Baruch Hu dirige le monde, la Anhagat Hachem, qu'on appelle la Anhagat HaMishpat, c'est Hachem Tzilcha. Hachem Tzilcha, c'est ton ombre. L'ombre, elle agit selon ce que je fais. Quand je lève le bras, l'ombre lève le bras. Quand je cours, elle court. Bref. Elle est exactement le parallèle de ce que je suis. Hachem, il est mishtavé, il calque sa naaga dans le monde par rapport à l'homme. Évidemment, tout dépend d'Hachem, bien sûr, évidemment. Mais c'est ça le principe de l'homme, de la bria de l'homme. C'est que Jourou a décidé dans le Hanagat HaMishpat que tout dépendrait de... Il va se comporter avec nous de la façon dont nous nous comportons. Où est-ce qu'il y a lieu dans Amidat Abitachon? Amidat Abitachon, c'est exactement le contraire. C'est de dire, bon, quelle que soit la situation qui est la mienne, ça importe peu puisque ce n'est pas moi l'acteur du monde. C'est pas moi qui agis. C'est lui qui agit. Donc, en fin de compte, puisque c'est lui qui agit,
et tout dépend de lui, c'est pas grave. C'est pas grave. Les Sfarim répètent à l'envi que la Midat Habitachon, elle n'est pas, la Midat Habitachon, elle n'est pas réservée aux tzadikim. Un rachat peut avoir une bitachon. Le rachat se dit, mais je suis un rachat, j'ai fait des actes terrifiants. Et alors ? Et alors ? Ça n'empêche en rien un bitachon total. Un bitachon total. Alors, je ne comprends pas comment ça n'empêche pas un bitachon. Si le type, il sait qu'il est rachat, donc il fait des avérotes, et ces avérotes, elles amènent des châtiments. Et quel bitachon il va avoir ? Que quoi ? Ben que tout dépend d'Hachem et Hachem est omnipotent. Certes, mais Hachem a dit, Hachem tilchat, je vais agir avec l'homme tel qu'il agit. Donc si c'est un rachat, ben il va se ramasser, quoi. C'est simple. C'est quoi cette histoire ? Alors, on a toujours cette impression qu'on est, on est tiraillé entre deux perspectives qui sont toutes les deux des yesodot de la Emouna. Ça, c'est la Emouna, ça, c'est la Emouna. On ne peut pas être Yehoudi sans bitachon, et on ne peut surtout pas être Yehoudi si on pense que ce qu'on fait n'a pas d'impact dans le monde. Ni sur nous, ni sur le monde. Ce que l'on fait est déterminant au plus haut point, aussi bien pour nous que pour le monde entier. Alors, où y a-t-il place au bitachon ? Alors, en fait, je donne un élément de réponse. Hein, vous imaginez bien que ce soit, je sais pas, ça me dépasse tellement, mais un élément de réponse. Dans les Sfarim qui parlent du Bitaron, il y a toujours marqué et souligné le fait que le Boder Bachem, il est Béchalva, il est Ragoua, il est tranquille. Jusqu'à ce qu'on appelle Amidat Aishtavut, quoi qu'il fasse, quoi qu'il se passe, ça lui importe peu, il est tranquille, il est Ragoua. Ah oui, il a confiance. Il a pleine confiance. Donc il ne connaît ni soucis, ni harada. Lorsque dans la Gemara a marqué que ce Amoura qui était dans le chemin et qui était né Nénar, alors son maître lui a dit « Cherche tes ennuis, pourquoi tu soupires ? Si tu as du bitaron, tu es tranquille. Tu es chalève, tu es tranquille. » On pourrait penser qu'en fait, pourquoi il faut être tranquille ? Parce qu'en réalité, comme tout dépend d'Hachem, que Hachem il est tôt ou métier, bon, donc il n'y a pas de souci à faire. Donc je me dis, je vais vous donner ce qui me dérange. Je pourrais penser que, en fait, puisque le réel, la réalité, en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que c'est Hachem qui dirige, c'est Hachem qui me tient. D'accord ? Donc, que je sois Botéar ou que je ne sois pas Botéar, de toute façon, la situation est la même. La seule différence qu'il y a entre celui qui est Botéar et celui qui n'est pas Botéar, c'est que le Botéar, il sait que Hachem le tient et qu'il est tranquille. Alors que celui qui n'est pas Botéar ne le sait pas. Et donc, il tremble de peur. C'est ça. Mais en fait, aussi bien pour le Botéar que pour celui qui ne l'est pas, tous les deux, ils sont maintenus par Akadosh Baruch Hu. Deux alpinistes qui sont en train de... Des alpinistes... pas expérimentés, ou deux bonhommes qui se sont perdus dans la montagne. Et ils sont terrorisés, ils sont en train de monter. Hein. Ils sont obligés, ils crèvent de peur. Et en fait, il y a quelqu'un là-haut qui leur a lancé une corde et qui les tient, il n'y a pas de souci. Mais il y en a un qui voit la personne et il se rend compte que ben, il me tient et l'autre, il ne le sait pas. Ben, les deux donc, vont être dans la même situation, en fait. Mais là, il est tremblant de peur parce qu'il ne sait pas que la personne en haut est en train de le maintenir et la deuxième, elle est rassurée. Mais en fait, il n'y a pas de différence, si ce n'est dans la conscience de l'individu. Il n'y a pas de différence réelle. Et c'est normal, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui, dans un cas comme dans l'autre, c'est lui qui dirige tout. Or, c'est faux. C'est tout à fait faux de dire une chose pareille. Le bitachon, ce n'est pas une prise de conscience, ce n'est pas passif, ce n'est pas contemplatif. Ça voudrait dire, c'est quoi contemplatif ? Il y a une situation qui existe indépendamment de quoi que de moi. Bitachon, c'est prendre conscience de cette situation. Alors, celui qui est Botéar, il voit les choses telles qu'elles le sont. Celui qui n'est pas Botéar, il ne les voit pas. Mais les choses sont les mêmes. C'est faux. Le Bitachon génère la présence d'Hachem et l'aide d'Akadosh Baruch Hu.
C'est vrai quoi, Kadosh Baruch Hu, Chesed Yesove Venu, il est autour de l'homme, il le garde. Et c'est ça l'amida du Bitachon. Mais il ne le garde que pour autant que l'homme est boter. Je ne sais pas si ce que je vous dis est accepté par tous. Il y a tellement de chitot dans le Bitachon, je ne peux pas vous dire. Mais je sais que dans certains des Rishonim et des Achronim, c'est marqué. Est-ce que c'est accepté par tous? Je n'en sais rien. Je vous le dis franchement, il y a beaucoup, beaucoup de chitot, beaucoup de panim. Je ne sais pas. Je ne suis pas au fait, je ne connais pas. Mais ce que je vous dis, je le vois. Donc, ce bitachon-là, ce n'est pas passif, ce n'est pas contemplatif. Ce n'est pas qu'il y a une situation déjà donnée et que la question est de savoir est-ce que moi, je prends conscience de cette situation qui, de toute façon, existerait, existe, que j'en ai conscience ou pas. Ce n'est pas ça. Et là, c'est mon bitachon à Hachem, cette conscience que j'ai de la présence d'Hachem aux côtés de moi, c'est elle qui génère l'assurance que je peux avoir. Je vous donne des psukim. Que le Maharal, dans son étive à Bitachon, il construit son dibour sur quelques psukim. Aboter Bachem, Chesed Yesoveven. Aboter Bachem, Chesed Yesoveven. Celui qui est Aboter Bachem, le Chesed l'entoure. Il est entouré par le Chesed Hachem. Et donc, il n'a rien à craindre, puisque le Chesed Hachem l'entoure. Mais qui est-ce qui peut être entouré par le Chesed Hachem? C'est le Boter Bachem. Et celui qui n'est pas Boter Bachem, lui aussi, Chesed Yosove Venu, mais il ne le sait pas. Ben non, ce n'est pas le sens littéral du verset. Seul celui qui est Boter Bachem, le Chesed Yosove Venu. Et celui qui n'est pas Boter Bachem, eh ben non. En tout cas, pas à ce niveau-là. Baruch HaGever, Asher Yiftar Bachem, Vaya Hashem Miftacho. Vaya Hashem Miftacho, c'est la conséquence. Baruch HaGever, Asher Yiftar Bachem, et grâce à cela, Vaya Hashem Miftacho. C'est pour ça qu'il est Baruch. Donc, pour qui peut-on dire que Aya Hashem Miftacho? Pour celui qui est Boter Bachem. Et celui qui n'est pas Boter Bachem, eh ben, il n'y aura pas cela, en tout cas pas avec cette intensité. Ça ne se déploiera pas de la même façon. Cherdat, un passage dans Michelet. Cherdat Hashem Yiten Mokesh. Celui qui est Chared, celui qui est Chared, Yiten Mokesh. Ou Boter Bachem Yesugav. Celui qui a un bitachon d'Hachem, lui, il a l'aide. Voilà, il y a encore d'autres. Ça veut dire, dans ces psukim, on voit bien que le bitachon n'est pas quelque chose de passif, n'est pas contemplatif, mais que ça génère une situation. C'est méhoraire, ça permet de créer ce fait qu'il y a une protection de la Kadosh Baruch. Ce qui répond évidemment à la première question que nous avons introduite. On s'est demandé, mais il y a une stira, une contradiction entre ces deux fondements de la Emouna, puisque d'un côté on me dit que tout dépend des maasim de l'homme, et de l'autre côté on me dit que tu dois être boter bachem. Mais parce que le bitachon de bachem, c'est aussi un acte de l'homme. C'est aussi un acte de l'homme. Oui, jusqu'au bout, tout va dépendre de l'acte de l'homme. Mais le bitachon bachem, c'est lui-même un quelque chose d'acté par l'homme, de réalisé par l'homme. Alors, ça veut dire que on peut, quand on est poter bachem, même si on est rachat, un bon, un vrai rachat, estampillé par le Beddin, avec toutes les avérotes du monde, on peut aussi avoir bitachon bachem. Mais en tant que bitachon bachem, c'est en tant que tel, c'est une pnia vers Akadosh Baruch Hu. C'est un acte de celui qui est. Et ça, ça dépasse tout. Ça, pour quelqu'un qui est Boter Bachem, tout le reste n'est pas pris en considération. Mais pour autant qu'il est Boter Bachem. Donc, si je demande, mais comment le Bitachon Bachem peut-il coexister avec la Emouna forte que c'est les Maasim de l'homme qui génèrent sa réalité, j'ai plus de problème. Seul celui qui est Boter Bachem, il bénéficie de la protection d'Hachem. En réalité, ça veut dire que c'est mon bitachon, c'est très simple. Je vis ma vie. C'est moi qui vais, dans ma façon de me poser, c'est une position psychique. C'est moi qui vais décider, qui vais réaliser
Est-ce que je vis ma vie de façon autonome, c'est-à-dire pas simplement parce que je vais écouter, je vais me faire ma propre loi ou écouter mes seuls désirs, parce que je prends conscience que j'ai conscience ou je me trompe, je me fourvoie, mais en tout cas, je pense les choses que ma réussite dépend de moi ou d'autres personnes, mais pas d'Hachem. Ou bien je suis Nishan sur Akadosh Baruch. Quand je suis Nishan, quand je me quand, voilà, quand je me fais je me soutiens d'Akadosh Baruch, et ben il me répond. Je sais pas, j'ai pensé à cette image. Vous avez une personne qui marche à vos côtés, elle est faible et elle se soutient sur vous. Vous voyez, elle pèse sur vous. Elle a confiance que vous allez pas la laisser tomber. Vous accompagnez quelqu'un de faible et elle est sur, et ben, le simple fait que vous savez que elle compte sur vous, et ça s'exprime dans sa façon dont elle marche sur vos côtés, elle compte sur vous, ben vous évidemment vous répondez, vous êtes là, vous allez la maintenir, vous allez la tenir. Ça, c'est dans l'adoration humaine, c'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu. C'est à nous de décider, est-ce qu'on est Nishan sur Akadosh Baruch Hu ou pas. Mais pour autant qu'on est Nishan sur Akadosh Baruch Hu, alors il répond. Ça, c'est ce que le Maharal explique au tout début du Netiv HaBitachon. Betach el Hashem bechol levavra ve'el binatra al tisha'en. Alors il explique, il dit, il y a un problème. Pourquoi il y a marqué Betach el Hashem? En général, on dit Betach b'Hashem, pas el Hashem. Il explique, ve'amar Betach el Hashem ve'lo amar Betach b'Hashem. Qui medaber b'shat ma'ase ou be'otah sha yasim marchavato ou bitrono el Hashem sheyeh imo. Védavarze ou que mot fila el Hashem idbarach. Veil ou bitroubo neymar al shiasim adam bitrono bo idbarach. Veno medaber al shad maase. Il y a dans le bitachon quelque chose d'interne, de totalement intérieur à moi, sans relation avec Hashem. Ça, c'est ma manière dont je sais que, en fait, c'est Hashem qui me soutient. Ça, c'est betar bashem. C'est ma position de sujet. Mais Béchat m'a assez, quand j'ai besoin de lui, je suis Boter El Hachem. C'est une tfila que je fais. Le Bitachon, c'est une pnia Kadosh Baruch Hu. C'est une tfila que je fais sans parler, sans dire des mots, sans rien exprimer. Mais le simple fait que je suis Nishan El Hachem, je suis Poné Elav. Cette pnia de l'individu à Kadosh Baruch Hu, qui s'exprime dans le fait qu'il considère que sa réussite dépend de Hakadosh Baruch Hu en l'instant présent, et c'est pour ça que ça doit se faire Béchat Maasé. C'est pas ce qui se fait avant. Ce qui se fait avant, c'est une préparation. Ce qui se fait avant, ça permet qu'au moment du Maasé, tu puisses être Botar El Hashem. Donc il faut toute une préparation, toute une éducation du Bitachon, Bitrou Bashem. Mais Béchat Maasé, la tfila du Bitachon, cette tfila du Bitachon, c'est Bitrou Betar El Hashem. Alors la prière, c'est la prière d'être boder ou de ne pas l'être. Il n'y a pas que ça dans la prière. Non, il n'y a pas marqué que celui qui est boder, Bachem, Hachem va l'aider, mais ça ne veut pas dire qu'après, il n'aura pas Onesh. Ben non, ça ne lève pas le Onesh. Ça lève qu'au moment où il est boder, Bachem, Hachem lui répondra. Après, bon, après, il y aura des tas, il y aura un tachloum, je ne sais pas comment ça se passe. Non, je n'ai pas dit maintenant qu'un type peut être rachat, il est Boter Bachem, il dit « Ah, tu es Boter Béa, alors tout est Averot, tu... non, non, c'est pas ça. » Mais au moment où tu es Boter, comme dit le Hazal, si le rachat, le Gazlan, il va aller voler, et il est Boter Bachem que Hachem va réussir son rap, et bien il réussira. Après, il va payer. Ah oui, il va payer. Vous voulez dire quoi? C'était le Tarkit. Vous avez parlé du Tarkit, que le vrai Tarkit, c'est le Tarkit. Oui. Ça ne vient pas. Je n'y vais pas. Donc ça, c'est pour le Bitachon. De façon générale, c'est très important d'articuler cette idée, d'accord, que le Bitachon, ce n'est pas juste contemplatif, c'est une position, pas une position, c'est une action, mais une action psychique, pas une action du corps, mais une activité psychique de la personne, position qui engendre une réponse à Kadosh Baruch Hu. Le premier, c'est contemplatif, le Balachem, le Balachem, c'est oui ça. C'est une manière de percevoir le monde,
que tu sais quoi que c'est. Mais cela même, au Béchad Maasé, quand tu l'auras, ça créera un retour. Alors, essayons de comprendre maintenant l'espérance. Le bitaron te donne l'espérance. Quand ça ne va pas, tu espères. Bon, le grec te dit, mais enfin, espérer, c'est un manque. Espérer, c'est fuir le présent. Espérer, c'est créer c'est générer de la crainte. Comment on entend tout ça? Comment? Alors, il y a tout un texte du Ramchal que je voulais le revoir, mais je n'ai pas eu le temps. Donc, je ne peux pas vous en parler. C'est le Mahamar Akivouy que je vous convie de le voir, de le lire, d'étudier. Mais les premiers mots, c'est que la tikva est inscrite dans le Bereshit, dans le Reshit de la Bria. La tikva, c'est pas quelque chose, l'espérance, c'est pas quelque chose qui vient comme dans les détails de l'histoire, dans les détours de la vie d'un homme. La Bria elle-même, le Reshit, Bereshit bara Elohim, ce Bereshit, c'est la tikva. Comment est-ce qu'on entend cela, le Bereshit, c'est la tikva? Qu'est-ce que ça veut dire? Bereshit, c'est la tikva. Pourquoi dans le Bereshit, c'est la tikva? Après, il montre, avec toutes sortes d'exemples, il montre comment tout commence avec la tikva. Mais il inscrit la tikva, l'espérance, dans le principe même du Bereshit. Alors, je me suis demandé comment articuler cela. Alors, je vous propose une manière de le dire. Vous savez que Rashi ramène Chazal, Bereshit, se lit Bishvil Reshit. Le bête de Bereshit, c'est Bishvil Reshit, Bishvil Reshit. Pour le Reshit. Bishvil la Torah, Shinikret Reshit. Bereshit bara Elohim, ça veut dire pour la Torah, Shinikret Reshit. Le monde a été créé pour la Torah, Shinikret Reshit. Pour Israël, Shinikret Reshit. Pour les Bikurim, Shinikret Reshit. Bereshit. Alors, je ne sais pas comment dans toutes les drachot ça se passe. Peut-être qu'il faut faire ce travail, je suppose, dans chaque dracha, mais là, c'est quand même, tu dis, c'est un jeu de mots, quoi. C'est un jeu de mots. Tu prends le mot Bereshit, et tu dis bête, c'est Bishvil, Reshit, c'est un jeu de mots, quoi. C'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux, ouais. On pourrait faire ce qu'on veut, quoi. Dans chaque mot, tu le tritures, tu le coupes, tu le machin, bah, c'est pas. Il faut que le drach réponde à un omek du tchat. Et je vois pas Bereshit et tu me sors Bishvil Reshit, c'est pas possible. C'est étrange. Peut-être qu'on doit le dire comme ça. Il y a un pirouge qui est aussi bien dans Sforno que dans le Gaon, dans la Deret Eliyahu. La Gemara dit sur la Mishnah, ben Sarah Mamarot Nivra Olam. On m'a dit mais comment ben Sarah Mamarot Nivra Olam? Mais il y en a neuf. Il y a neuf fois où il y a marqué Vayomer Elohim. Bon. Alors, il y a une marloka dans le Zohar et le Bavli. Pour le Zohar, ça commence, les maîtres, les dix mamarot commencent à Vayomer Elohim, or, et ça termine avec le mamar de Parnassa. Et le Bavli dit non. Le premier mamar, c'est Bereshit. Bereshit Nami Mamar. Bereshit, c'est un mamar. Mais qu'est-ce qui a été créé dans ce Bereshit? Si c'est un mamar chez Nivra Aolam, donc on est obligé d'entendre que dans le Bereshit Bara Elohim, il y a une bria de quelque chose. Qu'est-ce qui a bien pu être créé dans ce Bereshit? Le Sforno et le Gaon disent, c'est le Zman. Le Zman. Bereshit, c'est le Zman. Le Zman a été créé. Il a été créé avant toute chose. C'est la structure même de la création, le Zman. Qui chéchet yamim asa Hashem et hachamayim et haaret. Pas Bécheshet Yamim, comme dit le Zohar, Cheshet Yamim. Pas Bécheshet Yamim, c'est Cheshet. Le monde a été créé comme étant un monde de 6 jours. Pas pendant 6 jours, il a créé, mais il a créé Cheshet Yamim. Il a créé une structure. Le Zman, c'est la structure même de la Bria. Alors, qu'est-ce que ça signifie que le Zman, c'est la Bria elle-même? C'est la structure même de la Bria comme le Zman. Alors, évidemment, si on entend le Zman comme durée, voilà. Les choses durent. Évidemment, alors on ne comprend pas en quoi c'est tellement essentiel et pourquoi c'est ce qui structure le Bereshit. Mais on sait bien que dans la perception de la Torah, il n'y a pas de durée.
chose n'a pas de durée. La durée, c'est le principe grec d'un monde qui dure. Mais quand vous dites que les choses durent, évidemment, il n'y a aucune raison que ça n'ait jamais, que ça ait, si ça dure maintenant et que les choses continuent à durer, c'est qu'ils ont toujours été là. Et c'est ce qui amène le grec à penser et à poser le principe de Kadmout HaOlam. On ne peut pas, même le Rambam qui analyse toutes les... Il dit, enfin, il n'y a pas de Torah s'il y a Kadmout HaOlam, ce n'est pas possible. Donc, le Bereshit, d'abord et avant tout, c'est de dire que les choses ne durent pas. On est à l'instant de la Bria. La Bria, la création. C'est-à-dire, on est à l'instant où les choses apparaissent. Non, il faut bien reconnaître que nous, quand on voit le monde, le rapport que l'on a instinctivement au monde, ben, c'est un rapport de quelque chose qui existe déjà. Il est là. On s'installe dans un monde qui est là et qui continue. On ne voit pas la Nekouda de la Bria. Or, si vous dites que Bereshit bara Elohim, ça signifie nécessairement que ce n'est pas qu'il y a eu une fois une Bria et que cette Bria n'existe plus. C'est qu'on est perpétuellement sur cette Nekouda d'une Bria. Cette Nekouda du Bria, elle existe. Elle n'a pas été localisée dans le temps, mais quel est le principe même du temps ? D'être Bria, d'être Atrala. Donc le temps, ce n'est pas une durée, mais c'est une succession de commencements et de recommencements. À chaque fois, on est dans le chidush. À chaque fois, on est dans une nouveauté. La durée signifie qu'on n'est pas dans le chidush, on est dans la chose qui est la même et qui continue, qui perdure. Ça, c'est l'antithèse à ce qu'on appelle la bria. Le principe de la bria, c'est d'entendre qu'il n'y a d'existence que dans son chidush, dans sa itrachut. Alors, on n'a pas d'accès directement à cela. On n'a pas d'accès. On n'y a pas d'accès parce qu'instinctivement, on voit le monde comme étant... Avraham Avinu a eu cette perception de la Bria comme étant, du monde comme étant une Bria. Qu'est-ce qu'il a perçu, Avraham Avinu? Qu'est-ce qu'il a perçu? Il a perçu l'impossibilité d'entendre un monde qui tourne autour de lui-même. D'un monde qui soit simplement duré. Impossible pour eux. Il a entendu que nécessairement, le monde était porteur d'un mouvement. Un alira. Mais le mouvement, ce n'est pas le mouvement de la durée. Parce que le mouvement de la durée, ça fait simplement perdurer la chose en elle-même. Elle reste en elle-même et elle continue. On est toujours dans le régime de l'identité et on continue à être soi-même et encore à être soi-même et encore à être soi-même. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui veut me perturber, je résiste. Et c'est toujours dans le règne du même qui affirme son identité qui ne va jamais se transformer. Ça, c'est la durée. Alors que dans la bria, on est toujours dans le chidouche. Et la possibilité qu'on a d'entendre le chidouche, c'est d'entendre le fait que le monde va vers un tahlit. Lequel tahlit est nécessairement au-delà du monde. Il va vers un ailleurs. Le réchit, il est d'emblée le départ de quelque chose, d'un processus, d'un mouvement. Lequel mouvement est mouvement qui amène le monde vers quelque chose qui le dépasse, vers un tahlit. Pas dans le simple fait de perpétuer son être, pas dans le fait de l'intéressement à l'être sans arrêt, mais justement dans le fait d'aller au-delà de soi-même, vers ce qu'on appelle le tahlit. C'est ça le Zman. Ça, on l'a entendu du Rav des millions de fois. C'est ce que Zman, c'est Azmana. C'est une convocation. C'est une convocation. On est convoqué. Qu'est-ce qui est convoqué dans le Zman? C'est le Tahlit qui nous appelle à lui. Ne t'installe pas dans la durée, ne t'installe pas dans la mêmeté, ne t'installe pas dans le principe d'identité. Sache que tu es appelé vers quelque chose qui dépasse. C'est un mouvement vers le Olam Haba, vers le Tahlit, vers ce que vous voulez. Vous lui donnez tous les noms. Donc, dire le Zman, c'est dire un processus qui va depuis un projet et qui est d'emblée, il nous convoque à un tahlit. C'est ça le Zman. Zman, c'est une configuration du réel qui commence par un projet. Ce projet, c'est un mouvement qui nous amène au tahlit. Ça veut dire Bereshit, c'est Briat Zman. Comment vous le dites? Le fait que Bereshit, qui est le mouvement vers un tahlit, comment on peut le dire? Ben, tout simplement dans les mots Bereshit, Bishvil Reshit. Bishvil Israël, Shinikru Reshit.
Ce bishvil, ça veut dire qu'en réalité, les choses ont été créées pour qu'au bout du compte, au bout du compte, au bout du compte, on puisse retrouver ce qui avait été d'emblée projeté, d'emblée qui était au shoresh du projet de la bria. Le acharit, ce tachlit, nous permet d'entendre ce réchit, ce projet initial vers lequel les choses tendent. Parce qu'en fait, on comprend bien que les choses tendent au retour à leur réchit, à ce qui a été le réchit de la... ce qui a été l'impulsion première, et les choses sont parties dans un mouvement pour revenir comme dans un cercle vers le réchit. Le Gaon dit toujours que acharit, c'est les mêmes lettres que keter, moins 1. Dans les mots acharit, vous avez le taf et le resh, et puis au lieu du chaf, vous avez le aleph, chet, yud, aleph, chet, yud, et 19. Keter, moins 1. La valeur numérique de acharit, c'est comme keter, mais vous enlevez moins un chiffre, moins 1. Ça, c'est acharit. Parce qu'en réalité, le acharit, c'est une manière de t'appeler à revenir à ce qui est le keter. Keter, c'est le réchit. Mais un réchit qui est même préalable au réchit d'achorma, le réchit qui était la volonté première, le ratson premier. C'est ce ratson premier qui est au principe même de la bria. Ça, c'est la émouna d'Israël. La émouna d'Israël, elle est portée par le fait que le monde du Bereshit Bara Elohim, qui est un monde qui se déroule dans une chorma. Donc il y a une intelligibilité propre, on comprend le monde. Il est chorma, on peut le comprendre, ça s'explicite. Mais ce monde qui est chorma, en fait, ne vient que réaliser quelque chose qui dépasse même cette chorma, qui est le ratson. Qui est le ratson qui précède la chorma. Il y a un ratson, ça veut dire que nous, quand on voit le réel, quand on est face à la réalité, on sait que ce n'est pas une réalité qui est là par contingence, mais que c'est un projet. C'est-à-dire quoi un projet? C'est le résultat d'un ratson. Et qu'est-ce que ce ratson veut? Il veut qu'au bout du compte, l'histoire amène un retour à ce ratson-là, à cette réalisation du ratson. Le acharit nous ramènera au réchit. Donc, en fait, espérer quand on est dans cette configuration, quand on est dans cette disposition, espérer, c'est certes espérer quelque chose qui n'est pas encore là, qu'on n'a pas, qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas. Mais en fait, c'est tout simplement espérer sur la base d'une nécessité que cette espérance se réalise. J'espère pas gratuitement. J'espère parce que nécessairement cet espoir ne peut pas ne pas être réalisé. Mais parce que c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu crée le monde. Il crée le monde pour le tachlit, ce tachlit qui est kulotov. Donc l'espérance de ce tachlit, l'espérance de ce lendemain meilleur, l'espérance de ce tov, c'est une nécessité qui est inscrite dans le début même du projet. On ne peut espérer que si on a cet émouna. Pas parce que quelqu'un qui n'a pas... Tout simplement parce que si le monde est contingent, bah oui, évidemment, je comprends que le grec, dans ce cas-là, te dise c'est ridicule d'espérer. C'est une faiblesse, c'est une passion, ce n'est pas une vertu. Ça génère de la crainte, ça génère de la désolation, ça t'empêche de vivre ton instant présent, évidemment. À moins d'entendre que quand j'espère, j'espère pas qu'un futur... J'espère la révélation d'un présent. J'espère pas quelque chose qui est futur, qui n'existe pas encore. J'espère que va se révéler maintenant ce qui, depuis le départ, existe. Parce que les choses nous ont été créées que pour leur tachlit. Et le tachlit, c'est Olam Shekulotov. C'est ça le tachlit. Donc je suis pas en train d'espérer et de me dire « Oh, pourvu qu'arrive quelque chose qui n'existe pas encore. » Non, non. Espérer, c'est je demande à voir ce qui est déjà là, mais que je ne peux pas percevoir. Je ne vis pas dans le futur. Je suis totalement attaché à mon présent. Mais j'entends que ce présent, ça ne soit pas simplement le présent tel qu'il m'apparaît de façon instinctive, mais ce présent qui est nourri comme étant un zman, comme une convocation à ce tachlit.
Le tachlit, ce n'est pas quelque chose qui va être créé plus tard. Ce n'est pas que le tachlit n'est pas là et que petit à petit, on le construit. Non, le tachlit a toujours été là. Depuis le Réchit, il est là. Simplement, il ne se révèle pas encore. En deux mots, espérer, c'est mechoussar zman, pas mechoussar maasé, si on veut le dire de façon yeshivatite. Ce n'est pas mechoussar maasé, c'est mechoussar zman. Mechoussar zman, là, c'est mechoussar maasé, d'amis. Il ne me manque pas quelque chose qui n'existe pas. Auquel cas, je comprends, alors c'est ridicule d'espérer. C'est juste mechoussar zman. C'est déjà là, il faut juste que ça se réalise. Et ça, c'est l'espérance. L'espérance est inscrite comme une nécessité même inhérente au principe même de la bria, du Bereshit Bishvil HaTachlit. Si le Maral dit Bitrou Bashem Adéad, Kibéka Hashem Tourolamim. Bitrou Bashem Adéad, Kibéka Hashem Tourolamim. C'est quoi Beka Hashem Tourolamim? Il dit, tu peux avoir un homme dont le mazal, Baola Mazé, il est rat. Oui, il est rat. Il a un mauvais mazal, soit parce qu'il a fait des fautes, soit parce que c'est son mazal. Bref, il est dans la catastrophe. Bitrou Bashem, tu peux être Boter Bashem, qui beka Hashem Tourolamim. C'est quoi ce ka Hashem Tourolamim? En quoi le fait que ce soit beka Hashem, yud ke Hashem Tourolamim, ça soit une raison d'être Boter Bashem? Mais Maral te dit, puisque la Gemara, que le monde a été créé par les lettres yud et he, la lettre he, c'est la lettre du Olam Hazé, et la lettre yud, c'est la lettre du Olam Haba. Être botéar, c'est inscrire dans le présent la prina du Yud du Olam Haba. Or, le Olam du Yud, c'est un Olam qui est Kulotov. Et s'il y a du Ra, ça ne peut être que dans l'Olam Hazé. Donc, même le Mazal Ra, qui est tant que je suis dans la Misgeret du Olam Hazé, il va s'effacer quand dans mon Bitaron, j'inscris dans le présent cette prina du Olam Haba. Kibeka Hashem Touran Yamim. J'inscris le Yud dans le He. J'inscris le Olam Abba, le Olam Shekulotov dans mon présent. Mais je l'inscris parce que tout simplement, le Olam Abba, ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas. Non. Comme dit le Rambam. Le Rambam dit, pourquoi on dit Olam Hazé et Olam Abba? On devrait dire Olam Abba et Olam, Olam Hazé. Et le contraire de Olam Hazé, c'est quoi? Olam Ahou. Hazé Ahou. Lui et l'autre. On dit Olam Abba. Il va me dire parce que Olam Abba, c'est celui qui est déjà en train de venir. Il vient. Il est là. Il arrive. Ce n'est pas qu'il n'existe pas et puis patiemment je le construis. Il est là déjà. Il faut que je l'amène à moi. Cette dimension de Olam Abba, de Yud, de Olam Shekulotov, elle est là. Et elle est le projet initial du Ratzon d'Akadosh Baruch Hu qui a initié toute la Bria. Qui me dit qu'est-ce que j'espère, c'est vraiment le temps réussi pour moi. Non, je n'ai pas dit, mais non, je ne dis pas. Ça rentre dans les considérations. Est-ce que l'espérance de je veux gagner, j'ai pris un billet de loto sur une Mercedes, dernier cri, est-ce que c'est. Non, ça, je ne sais pas. Je ne rentre pas. Ça, c'est toute une chaîne là. Je ne rentre pas dans ces détails. Je parle simplement de l'espérance chez Etov. Qu'est-ce que c'est Etov? Est-ce que si je veux cela, ça s'appelle le Etov? Je ne sais pas. Ce n'est pas ma question. Ça demande des. Ça demande du limoude que je n'ai pas. Enfin, je connais certaines choses, mais pas, je ne peux pas traiter. Ce n'est pas mon intérêt maintenant. Mon intérêt, c'est que l'espérance d'un top, ce n'est pas une illusion. Pourquoi t'espères, mais quoi? D'où, qui, que quoi? Est-ce que tu n'es pas en train de fuir la réalité présente en vertu de chimères qui t'habitent? Ben non. Non, non. Espérer, c'est vivre pleinement le présent. Le grec te dit, quelqu'un qui espère, c'est quelqu'un qui fuit le présent. Et la Torah te dit, quelqu'un qui espère, c'est quelqu'un qui vit pleinement le présent. Mais un présent qui est énervé par le un hé qui est énervé par le yud, qui est réceptif du yud. Et c'est ça le bitachon. C'est ça le bitachon. Il n'y a pas autre chose dans le bitachon que cela, cette tikva. Baret Nathan Livne Adam. Shamaim Shaim Hashem, Baret Nathan Livne Adam. D'un autre côté, on dit Melo Kolaaret Kvodo. Il faut savoir. Il m'arrête Nathan Livne Adam, alors comment Melo Kolaaret Kvodo? Shamaim Shamaim Hashem.
Mais comment me le croire? Il y a une Gemara dans Brachot, la Médée, très connue. Ce qu'on répond dans les dans certains sarim, mais ce n'est pas sauté à la Gemara, c'est que, en fait, dans la pnimiyout de la Aret, Melo Kol Aret Kevodo, la Chitsoniyout, oui, Aret Natan Livnei Adam. Le Rav ramenait toujours au nom d'un des. Aret Natan Livnei Adam, Sheyafu et Zele Shamaim Lachem. C'est-à-dire quoi? Que notre avoda, c'est d'être mégalé dans le Aret, le Melo Kol Aret Kevodo. Dans Shamaim, ça c'est Galoui Veyadoua. Shamaim, Shamaim, Hashem, on n'y travaille pas. Ve'aret Natan Ivne Adam. Et pourquoi Natan Ivne Adam? Pour que dans cette Netina, nous ayons la possibilité d'être mégalé le Kvod Hashem qui se trouve dans le Aret. Donc en fait, le Bitachon, c'est tout simplement en acte de savoir est-ce que je perçois le réel dans le monde qui m'entoure, du Aret, dans sa chitzoniyout, bah, auquel cas Hachem n'est pas là, ou est-ce que j'entends la nochechut d'Hachem, bashamayim ou baaretz? Veyiftechu becha yod'ei shemecha. Où est-ce qu'il faut connaître le shem d'Hachem? Parce que yod'ei shemecha, le shem, c'est la pnimiyout du olam. Dans sa chitzoniyout, le mot, c'est un helem d'Akadosh Baruch Hu. Dans sa pnimiyout, le olam, il dit le nom d'Hachem. Tu lis le nom d'Hachem. C'est un sefer sur lequel on lit le nom d'Hachem. Yod Echemecha, c'est que tu arrives à percevoir dans la pnimiyout du monde la nochechut d'Hachem ba'aretz. Donc, quand tu es botéar, tu ramènes à toi ce Shem Hachem. Tu ramènes le Yod du Olam Haba. Pas moins que ça. C'est pour ça que les Sfarim disent que plus un homme il est rouhani, plus un homme il est yéré Hachem, et plus son bitachon est valable. Pas parce que c'est un moyen d'être voté à Hachem. Celui qui est Hachem, ben, il aura plus de facilité, c'est plus que cela. Mais parce que être voté à Hachem, c'est précisément une réia du Olam, même dans sa chitzoniyut, comme étant habité par la présence à Nochrikut Hachem. C'est ce qu'on appelle la Yirat Shamayim. C'est exactement ça, les Yirat Shamayim. On peut avoir des accès de bitachon, même quand on n'est pas Yirat Shamayim. C'est vrai. Mais quand tu veux avoir, t'installer dans la durée d'un bitachon total, c'est quand tu es Yirat Shamayim. Pourquoi la Yirat Shamayim amène le bitachon? Parce que précisément, c'est cette réya de la Nochechut d'Hachem dans le Haaretz. Ce qui me permet de terminer, de revenir, de fermer le cercle, de revenir et d'expliquer comment, là je comprends bien, pourquoi le bitachon, nous l'avons vu, il n'est pas contemplatif, mais il est le moyen de générer la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait posé au départ. Le bitachon, ce n'est pas contemplatif. Bitru Bachem, c'est que à Boter Bachem, Chesed Yesov Evenu. Seul celui qui est Boter Bachem. Mais pourquoi le Boter Bachem, Chesed Yesov Evenu? Pourquoi est-ce qu'il faut le srar du bitachon, c'est Chesed Sauvez-nous. Pourquoi? Parce que précisément, puisque la question c'est de savoir, est-ce qu'on peut être mégalé dans le présent, ce Beka Hashem Tour Olamim, ce Olam Shekulotov? Est-ce qu'on peut être mégalé dans le présent, cette Anaga qui est au-delà de l'Anaga du Mishpat, qui est une Anaga de Hakol Netova? Ça va dépendre de qui? Ben, ça va dépendre de mon action de bitachon. Être Botéar, c'est percevoir dans la pnimiyout des choses le Shem d'Hachem, percevoir la nochechut d'Hachem dans la Haaretz. Si je perçois cela ainsi, alors ce Beka Hachem Tzur Olamim se révèle à moi. Nous avons posé au départ qu'il y a que le chesed d'Hachem, le chesed d'Hachem qui procède à la bitachon, est le résultat de ma avoda de bitachon. On l'a posé. Mais maintenant, je comprends pourquoi. Parce que qu'est-ce que le chesed d'Hachem qui me sauve le botéar? C'est parce que précisément, Pitrou Bachem Adéal qui beka Hachem tour olamim, parce que le Yud va s'inscrire dans le Hé, parce que le Yud qui l'a prina du Olam chez Kulotov va innerver le monde. Mais pour cela, il faut quoi? Ben, il faut que de mon côté, je sois dans cette disposition, je regarde le monde ainsi.
Et donc, je suis nishan sur Akadosh Baruch Hu, dans le Olam Hazeh. Voilà pourquoi l'espérance n'est pas un vain espoir. Voilà pourquoi l'espérance, c'est s'inscrire totalement dans un présent. Et l'espérance ne peut pas générer la crainte. Au contraire. Elle n'est pas manque, elle n'est pas faiblesse, elle n'est pas fuite du présent, et elle ne génère pas la crainte, mais au contraire, le shalva. C'est le début de la réflexion. Il faudrait... C'est ça.